Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur CGDN Français. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Selon le ministre chinois des Affaires étrangères, l'exclusion de la Chine du commerce serait une erreur historique. Au moins 40 Palestiniens tués et de nombreux blessés dans le centre de Gaza. L'ancien premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra quitte l'hôpital où il purgeait sa peine. 2,3 milliards de voyages de passagers effectués en 8 jours, dont près de 100 millions en train. Pour le deuxième jour de la conférence de Munich sur la sécurité, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a prononcé un discours intitulé « La Chine dans le monde ». Il a expliqué les propositions de la Chine sur la construction d'une communauté de destin pour l'humanité, prônant un monde multipolaire égal et ordonné. Ceux qui tentent d'exclure la Chine au nom de la réduction des risques commettront une erreur historique. C'est ce qu'a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi aux officiels de la politique de sécurité internationale lors de la conférence de Munich sur la sécurité de cette année. Wang Yi a déclaré que l'économie mondiale était comme un grand océan qui ne pouvait être découpé en lacs isolés et que la tendance vers la mondialisation économique ne pouvait être inversée. Il a ainsi fait savoir que la porte était grande ouverte aux entreprises internationales. Wang Yi a ajouté que, quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la Chine, en tant que grand pays responsable, resterait une force stabilisatrice dans un monde instable. La Russie est le plus grand voisin de la Chine. Le développement stable des relations Chine-Russie sur la base du non-alignement, de la non-confrontation et du non-ciblage d'une tierce partie sert les intérêts communs des deux parties et contribue à la stabilité stratégique de la région Asie-Pacifique et du monde en général. Wang Yi a poursuivi en déclarant que la Chine et l'UE devraient éviter les interférences géopolitiques et idéologiques, rester des partenaires plutôt que des adversaires et travailler pour fournir une nouvelle voie afin de surmonter les difficultés ensemble. Wang Yi a également déclaré que Beijing renforcerait la coopération dans le sud global et s'engageait à accroître la représentation et la voix des pays en développement dans les affaires mondiales et à contribuer à une architecture de gouvernance mondiale plus équilibrée et plus efficace. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a également réaffirmé l'engagement de son pays en faveur du multilatéralisme et de la coopération gagnant-gagnant en marge de la conférence de Munich sur la sécurité. Il a rencontré ses homologues français, argentins et canadiens ainsi que le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne au cours des deux derniers jours. Wang Yi a déclaré au chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, que la Chine était prête à travailler avec l'Union européenne pour promouvoir un monde multipolaire égal et ordonné où chaque pays peut avoir sa propre place. Il a également exprimé sa volonté de collaborer avec l'UE pour promouvoir une mondialisation économique inclusive qui profite à tous et un développement commun. Josep Borrell a clairement exprimé son opposition au découplage avec la Chine. Il a réaffirmé que l'Union européenne continuerait à adhérer à la politique d'une seule Chine et à se coordonner avec la Chine pour relever les défis mondiaux urgents tels que le changement climatique. Wang Yi a également exprimé l'espoir de la Chine de travailler avec la France pour construire un monde multipolaire pacifique, égal et ordonné face au retour de la mentalité de la guerre froide et au danger croissant d'une confrontation entre blocs. Il a déclaré que la Chine souhaitait recevoir davantage de produits agricoles de qualité de la part de la France et qu'elle espérait également que la France offrirait un environnement commercial équitable, transparent et sain aux entreprises chinoises présentes sur son territoire. Stéphane Séjourné a souligné la volonté de la France de développer la coopération avec la Chine dans divers domaines tels que le commerce et l'économie, les échanges entre les peuples, le tourisme et la protection de la biodiversité. Il a également réitéré l'adhésion de la France à la politique d'une seule Chine, son indépendance stratégique ainsi que son opposition au découplage et à la rupture des chaînes d'approvisionnement. Wang Yi a déclaré à son homologue argentine, Gianna Mondino, que la Chine souhaitait s'associer à l'Argentine pour maintenir son engagement au partenariat stratégique global. Il a appelé les deux parties à comprendre et à soutenir leurs intérêts fondamentaux respectifs, à renforcer la confiance mutuelle et à porter les relations bilatérales à un nouveau niveau.
Gianna Mondino a indiqué que la Chine était le deuxième partenaire économique et commercial de l'Argentine. Elle a ajouté que les deux pays étaient très complémentaires dans leur développement et qu'ils disposaient d'un énorme potentiel de coopération. Wang Yi a également rencontré son homologue canadienne Mélanie Joly. Wang Yi a déclaré que les deux pays n'avaient pas de conflit d'intérêts fondamental. Il a ajouté que la Chine et le Canada n'étaient ni rivaux ni ennemis et qu'ils devraient être des partenaires de coopération. Le ministre chinois des Affaires étrangères a également appelé le Canada à arrêter de promouvoir la rhétorique de la soi-disant menace chinoise et à respecter les intérêts fondamentaux de chacun. Mélanie Joly a déclaré que le Canada espérait travailler avec la Chine pour améliorer les liens et renforcer la coopération dans des domaines tels que le changement climatique, la biodiversité et la santé publique. Au moins 40 Palestiniens ont été tués et de nombreux autres blessés dans des frappes aériennes israéliennes qui ont visé des maisons résidentielles dans le centre de la bande de Gaza. Les forces israéliennes ont également procédé à des arrestations dans le plus grand hôpital de Gaza, l'hôpital Nasser à Khan Younes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est engagé à déplacer des troupes dans la ville de Rafah, à la frontière avec l'Égypte, où ont trouvé refuge plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza. Elena Bekatoros de l'Associated Press nous parle de Jérusalem. L'armée israélienne a effectué un raid dans un hôpital dans la deuxième plus grande ville de Gaza, Khan Younes. Il s'agissait du dernier hôpital encore en activité dans la totalité du territoire. L'armée israélienne dit que le Hamas utilisait cet hôpital comme une couverture et dit aussi avoir de bonnes sources selon lesquelles les otages ont été retenus dans cet endroit et que potentiellement les corps de certains otages morts pourraient encore s'y trouver. Des milliers de personnes déplacées avaient trouvé refuge dans l'enceinte de l'établissement. Ils ont reçu l'ordre d'évacuer, mais le personnel et les patients ont été autorisés à rester à l'intérieur. Le personnel médical décrit une situation horrible, avec des coups de feu partout dans l'hôpital. Ils disent avoir été forcés à déménager dans un autre immeuble où ils n'avaient pas assez d'équipement pour traiter les patients. Certains étaient gravement blessés et 5 patients qui se trouvaient en soins intensifs sont morts par manque d'oxygène. Par ailleurs, la ville de Rafah dans le sud, où plus de la moitié de la population de Gaza a trouvé refuge, abrite 1 400 000 personnes. L'armée israélienne dit qu'elle va procéder à une offensive dans cette ville une fois que les civils auront évacué. Quand et comment cela pourra se produire demeure incertain, mais la situation inquiète beaucoup l'Égypte, Rafah se trouvant à sa frontière. L'Égypte a déclaré que si des incursions se produisaient et si les Palestiniens étaient repoussés vers l'Égypte, cela pourrait menacer l'accord de paix israélo-égyptien de 1979. Des images satellites montrent des travaux de construction du côté égyptien qui font penser que l'Égypte pourrait se préparer à un afflux possible de réfugiés. Les autorités égyptiennes ont nié et indiquent qu'il s'agit de travaux de maintenance de routine sur des bâtiments de défense à la frontière. La Russie a pris le contrôle de la ville dévastée d'Avdiivka dans l'est de l'Ukraine quelques heures après que Kiev a retiré ses troupes. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié la prise de la ville de victoire importante. L'évolution de samedi est la plus grande avancée de la Russie depuis la prise de la ville de Bakhmout en mai dernier. Elle intervient alors que l'Ukraine est confrontée à une pénurie de munitions et qu'une nouvelle aide militaire américaine est retardée depuis des mois par le Congrès. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, Joe Biden s'est entretenu samedi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour souligner le soutien continu des États-Unis à l'Ukraine. Il a également réitéré la nécessité pour le Congrès d'adopter d'urgence un programme d'aide pour réapprovisionner les forces ukrainiennes. L'ancien premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a été remis en liberté conditionnelle 6 mois après son retour d'exil. Xinhua rapporte qu'une voiture transportant M. Thaksin a quitté un hôpital de police à Bangkok tôt ce matin. L'ancien premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra a bénéficié d'une libération conditionnelle anticipée ouvrant la voie à sa sortie de l'hôpital général de la police aujourd'hui. Les médias locaux et internationaux ont attendu toute la nuit dans cet hôpital pour apercevoir Thaksin Shinawatra alors qu'il sortait en homme libre. Pour replacer les choses dans leur contexte, il faut remonter au mois d'août 2023, date à laquelle M. Shinawatra est rentré en Thaïlande après une période de 15 ans d'exil depuis 2008. À son retour, il a été condamné à 8 ans de prison pour conflit d'intérêts, abus de pouvoir et corruption durant son mandat de 2001 à 2006. Toutefois, cette peine de 8 ans a été considérablement réduite à 1 an grâce à une grâce royale.
La semaine dernière, le ministère de la Justice a déclaré que M. Shinawatra pouvait désormais bénéficier d'une libération conditionnelle en raison de son état de santé et de son âge. Il convient de noter que depuis que M. Shinawatra est revenu en Thaïlande, il n'a pratiquement pas passé de temps en prison. Après sa condamnation, il a été transféré directement dans cet hôpital où il est resté depuis. Cela a bien sûr donné lieu à de nombreuses spéculations sur la question de savoir s'il était réellement gravement malade, étant donné que la plupart des détails concernant sa maladie n'ont pas été révélés au public. Il y a également eu beaucoup de spéculations sur le moment choisi pour tout cela. Le retour de M. Thaksin en Thaïlande a coïncidé avec la reconquête du pouvoir par son parti politique, le Pui Thai, et la nomination de son proche allié, Srettha Thavisin, au poste de Premier ministre. Mais au-delà de la spéculation, cette affaire a des implications beaucoup plus larges. Cette libération réintroduit dans le pays une figure imposante et source de discorde à un moment politiquement tendu. Thaksin Shinawatra reste une figure très influente mais polarisante de l'histoire moderne de la Thaïlande. Au début des années 2000, il a bénéficié du soutien de millions de Thaïlandais des zones rurales pour ses politiques populistes, tout en se heurtant à l'opposition des royalistes et des formations pro-armées du pays. La suite des événements reste donc incertaine. Sera-t-il simplement un citoyen normal? Pourrait-il être confronté à d'autres obstacles judiciaires? Ou continuera-t-il à exercer son pouvoir et à influencer le paysage politique du pays? De nombreux analystes estiment que la situation politique devient de plus en plus préoccupante. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé à une approche différente pour relever les défis du continent. Lors de la cérémonie d'ouverture de la 37e session ordinaire de l'Assemblée de l'UA à Addis Abeba, Moussa Faki Mahamat a évoqué les échecs de l'organisation continentale, notamment en matière de paix et de sécurité, mais a salué les mesures prises pour réformer l'organisation. Robert Nagila de CGTN nous en dit plus depuis la capitale éthiopienne. L'éducation était le thème de la 37e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine. Mais lors de la cérémonie d'ouverture, d'autres sujets urgents ont également été abordés. Alors que son mandat de président de la Commission de l'Union africaine touche à sa fin, Moussa Faki, tout en reconnaissant les étapes importantes franchies au cours des 7 dernières années, a été plutôt direct lorsqu'il a dressé le bilan de l'organisation continentale. La tendance frénétique à prendre des décisions sans avoir la volonté politique de les mettre en œuvre a pris une telle ampleur qu'elle est devenue dévastatrice pour notre crédibilité individuelle et collective. À titre d'exemple, au cours des 3 dernières années, 93% des décisions n'ont pas été mises en œuvre. Moussa Faki a dressé un tableau sombre de la paix et de la sécurité sur le continent en évoquant les conflits dans la région du Sahel, en République démocratique du Congo et au Soudan, ainsi que les coups d'État de ces derniers mois. Depuis la création de l'Union africaine, nous n'avons jamais vu en Afrique un tel nombre de transitions à la suite d'un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Notre incapacité à contrer un tel phénomène est évidente. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a quant à lui appelé le continent à être autosuffisant dans sa quête de développement durable. Nous avons la chance d'avoir un climat favorable, des terres arables, de l'eau, des forêts, des ressources naturelles et un grand nombre de jeunes qui incarnent le grand potentiel de notre continent. Nous ne devrions pas chercher à obtenir de l'aide. Le président sortant de l'Union africaine, Azali Assoumani, qui est le président des Comores, a été remplacé par le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, qui occupera le poste de président de l'UA pour une période d'un an. Mohamed Ould Ghazouani s'est engagé à se concentrer sur la sécurité du continent. Le terrorisme et les guerres civiles sur notre continent entraînent la perte de vies humaines et la destruction d'infrastructures et de systèmes économiques. Cela signifie que la lutte pour la paix et la sécurité doit être notre première priorité. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le premier ministre palestinien Mohamed Chitaye ont également pris la parole. Les ministres des pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont tenu une réunion jeudi à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, depuis le retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les diplomates du Burkina Faso, du Mali et du Niger ne cessent de multiplier les réflexions en vue de rendre opérationnelle cette alliance. La réunion de Ouagadougou avait pour objectif de réviser la charte de l'Alliance des États du Sahel et d'élaborer un traité portant création de la Confédération de trois pays du Sahel. Reportage de notre correspondant Onguia Christian Tan.
Plusieurs membres des gouvernements des pays de l'Alliance des États du Sahel et leurs chefs de délégation ont pris part à cette rencontre ministérielle de Ouagadougou. Il s'agissait pour les participants de poursuivre les consultations de Bamako des 30 décembre et 1er janvier qui ont jeté les bases de l'opérationnalisation de l'Alliance des États du Sahel. En effet, la voie a largement été tracée par les ministres en charge des questions du développement lors de leur réunion à Bamako le 25 novembre 2023, à l'issue de laquelle ils ont formulé des recommandations pertinentes et innovantes pour favoriser le développement économique de l'AES, notamment la réalisation de projets structurants et de mesures concrètes en vue de stabiliser nos économies, de faciliter l'investissement dans l'espace AES et parvenir à terme à une union économique et monétaire. Quant au ministre des Affaires étrangères, ils ont saisi l'opportunité de leur réunion ministérielle à Bamako le 30 novembre et le 1er décembre 2023 pour formuler deux recommandations fortes. Ils ont tout d'abord recommandé l'élargissement des objectifs de l'AES au domaine de la diplomatie et du développement économique. Dans leurs recommandations, les diplomates de l'AES avaient également décidé de soumettre au chef d'État la création d'une confédération réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en attendant la création d'une fédération de ces trois pays. La rencontre de Ouagadougou a porté principalement sur ce point. Depuis la signature de la charte instituant l'Alliance des États du Sahel, plusieurs étapes ont été franchies et une certaine dynamique de structuration de notre alliance s'est enclenchée au niveau sectoriel. Je me félicite également, naturellement, de la tenue de notre présente rencontre qui se veut être une suite logique des rencontres précédentes. Ouagadougou nous offre l'occasion de franchir un pas supplémentaire dans la poursuite de la mise en place des instruments, mécanismes et procédures de notre alliance ainsi que dans l'architecture juridique de la Confédération envisagée par nos trois pays. La création de la Confédération serait une condition pour fonctionner efficacement. Dans cette dynamique, la mise en place des comités nationaux de l'Alliance des États du Sahel permettra d'assurer la visibilité et le caractère inclusif du processus d'opérationnalisation de nos institutions communes. Au regard de la nouvelle configuration politique, les réflexions des ministres de l'AES ont permis de formuler plusieurs recommandations. Élaborer la feuille de route de la Confédération des États de l'AES. Accélérer la mise en œuvre des mesures et actions proposées dans le cadre de l'organisation de la communication et de l'élaboration de la charte graphique de l'Alliance. Élaborer dans les meilleurs délais des projets de protocole additionnels relatifs à la répartition des compétences entre la Confédération et les États confédérés. Élaborer dans l'urgence des projets de protocole additionnels relatifs notamment à la libre circulation des personnes et des biens, à la défense et à la sécurité pour faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. Mettre en place un cadre de concertation en vue de gérer les implications liées au retrait sans délai de la CEDEAO. Identifier des partenaires stratégiques. Les ministres ont également condamné la confiscation des avoirs du Niger par l'Union économique et monétaire ouest-africaine à travers la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La réunion ministérielle de Ouagadougou a été une rencontre préparatoire pour le premier sommet des chefs d'État dont la date sera connue ultérieurement. Onguia Christian Tang, CGTN français, Burkina Faso. Des chiffres records pour les voyages ont été enregistrés en Chine pendant les 8 jours de vacances du Nouvel An chinois qui se sont achevés samedi. Quelque 2,3 milliards de voyages de passagers ont été enregistrés au cours des 8 derniers jours, dont près de 100 millions de voyages en train. Le nombre de voyages en train est ainsi passé de 5,5 millions le 10 février, premier jour du Nouvel An chinois, à 15,3 millions vendredi.
Les autorités ont déclaré que le nombre de véhicules sur les routes au cours de la semaine écoulée avait augmenté de 20% par rapport à la même période de l'an dernier. Le marché chinois du cinéma en période de vacances est en plein essor. Les recettes du box-office durant la fête du printemps 2024 ont dépassé 7 844 millions de yuan, soit environ 1 100 millions de dollars américains, battant le record de 7 843 millions de yuan réalisés en 2021. Les films domestiques YOLO, Pegasus 2 et Bunny Bears, Time Twist sont les trois films ayant rapporté les plus fortes recettes. YOLO, un film sur la féminité et l'amour propre, continue d'exploser les listes de tendances stimulées par la perte de poids transformatrice de la réalisatrice et actrice principale, Tia Ling. Pegasus 2 raconte l'histoire d'un ancien champion de course automobile qui enseigne maintenant à un débutant avant un rallye dans une école de conduite. Enfin, le film d'animation Bunny Bears Time Twist prend la troisième place. Il raconte l'histoire d'un programmeur qui a la chance de recommencer à nouveau sa vie en tant que bûcheron, où il doit sauver ses amis en embarquant dans une aventure à travers le temps et l'espace. Pendant les vacances de la fête du printemps, une pièce de l'opéra Noor inscrite au patrimoine culturel immatériel est jouée tous les jours dans la ville de Jiaoli, dans le district de Pengshui de la municipalité de Chongqing. Avec sa fameuse danse sur la lame et sa montagne de couteaux, frissons et excitation sont au rendez-vous. La montagne de couteaux se compose d'un pilier en bois de 7 mètres de haut et de 24 couteaux en acier tranchant. Accompagné par les tambours, l'artiste marche pieds nus sur les lames des 24 couteaux en acier à tour de rôle et grimpe sur les piliers en bois, exécutant divers mouvements aériens difficiles. Cette performance palpitante donne des sueurs froides aux touristes. C'est assez excitant. Il est à moitié transpiré pour lui. Je pense que le patrimoine culturel immatériel de la Chine devrait continuer à se transmettre pendant longtemps. Je pense que c'est très beau. L'escalade de la montagne de couteaux est un projet de performance folklorique de Pengshui. L'artiste doit grimper jusqu'au sommet du pilier en bois, pieds nus sur la lame, puis revenir au sol en suivant le chemin initial et s'assurer que la plante du pied est intacte, ce qui est très excitant. La première fois que je suis monté sur les couteaux, c'était dans la ville de Jiaoli. Mon maître m'a demandé de monter. À cette époque, j'étais hésitant et j'avais peur au fond de moi. Le maître m'a montré comment faire. Alors je suis monté. Quand je suis redescendu, mes pieds tremblaient, mon cœur battait très vite et je n'arrêtais pas de transpirer. Marcher sur des couteaux en acier semble impossible et personne ne sait où se trouve l'astuce. Cependant, il s'agit bien d'une cascade dangereuse qu'il ne faut surtout pas essayer d'imiter. Nous nous rendons maintenant dans un village situé à l'extérieur de la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, où chaque année, un monastère passe 6 mois à préparer son exposition de lanternes pour le nouvel an lunaire. Les visiteurs qui affluent au monastère donnent une forte impulsion à l'économie du village. Je me trouve ici dans un endroit appelé Jenjarom, qui se situe à environ 45 minutes de Kuala Lumpur. C'est un village sans caractère distinctif. Mais ce qui le rend célèbre, c'est qu'il abrite le complexe étendu du monastère Fo Guangshan, qui chaque année organise un magnifique spectacle de lanternes sans équivalent en Malaisie. Cela fait maintenant 20 ans qu'il le fait. Il faut environ 1000 artisans et bénévoles pour créer et installer ces lanternes chaque année. Chaque année, la gamme de lanternes change. Le thème concerne toujours le zodiaque chinois et bien sûr, cette année étant l'année du dragon, le dragon est au premier plan. C'est la première fois que je viens dans ce monastère et aussi que je visite la Malaisie. J'ai l'impression que l'atmosphère ici ressemble à celle de la Chine. La décoration est très très belle. Je viendrai chaque année parce que je peux voir ce qui est nouveau, ce qui se prépare chaque année. C'est quelque chose de très grand et l'éclairage est si magnifique, je dirais. C'est vraiment spectaculaire et c'est devenu de plus en plus sophistiqué au fil des années, d'après ce que j'ai compris. La vérité est que les endroits où les Malaisiens se rendent pour admirer les décorations de Nouvel An les plus impressionnantes et les plus extravagantes ont tendance à être d'innombrables centres commerciaux climatisés de Malaisie, sans aucun doute. Mais ce monastère organise des expositions avec les lanternes rouges traditionnelles au moins. Et c'est le seul en Malaisie qui va jusqu'à ce point.
Pourquoi je veux faire ce festival des lanternes? Parce que c'est une partie de notre culture chinoise. La lumière nous donne de l'espoir et l'éclat nous encourage, surtout durant ce nouvel an chinois. Que les gens viennent au complexe du monastère Fogongshan à cette époque de l'année pour prier ou pour célébrer le nouvel an lunaire, ou, pour les non-chinois, simplement pour admirer le spectacle, ils partageront tous le sentiment de joie enfantine devant cet éblouissant déploiement de lanternes. Cette année marque le 5e anniversaire de la promulgation du plan de développement de la région de la Grande Baie de Guangdong, Hong Kong et Macao. Omar Khan de CGTN nous parle d'une start-up hongkongaise qui a su tirer parti des avantages offerts par la province du Guangdong. Il y a 4 ans, je suis allé dans cet incubateur pour rencontrer un entrepreneur hongkongais qui a fait de Shenzhen sa base pour tout ce qui concerne les affaires. Aujourd'hui, je le rencontre à nouveau pour connaître les évolutions et les changements dont il a été témoin dans la région de la Grande Baie et surtout pour savoir ce qui l'a poussé à rester ici. Team Concept, c'est une start-up cofondée par Roger Yu qui développe et produit du matériel et des logiciels IoT. Au fil des ans, la start-up a créé des montres intelligentes, des détecteurs pour casques intelligents et une variété de dispositifs de suivi de la santé utilisés sur les chantiers de construction et dans l'industrie des infrastructures. Et ce qui a peut-être rendu tout cela possible, ce sont les avantages offerts par la région de la Grande Baie. L'efficacité et la qualité nous permettent de créer des produits de A à Z et de les expédier à l'étranger très rapidement. En fait, c'est un moyen très rentable et la qualité est bonne. L'homme d'affaires de Hong Kong est un exemple de réussite pour Tien Hai. Connaissant les tenants et les aboutissants de l'écosystème commercial, sa voix compte pour les investisseurs potentiels qui explorent les possibilités offertes par la province du Guangdong. Pour les personnes qui arrivent, il suffit de créer une entreprise ou une start-up, chercher un incubateur ou un accélérateur. La région compte beaucoup d'incubateurs disponibles et ils sont prêts à vous aider à comprendre rapidement ce qu'ils peuvent offrir de la part des villes ou des politiques et ensuite vous développer votre entreprise. Au cours du développement de la région de la Grande Baie, Roger Yu dit avoir vu des mesures prises pour accélérer l'enregistrement des entreprises et d'autres procédures simplifiées. Bien sûr, il y a de grandes différences par rapport à Hong Kong il y a quelques années, mais elles finissent par se résorber. Oui, avant de payer les impôts ou de créer une entreprise, les gens savent qu'il y a probablement beaucoup d'étapes à franchir, etc. Mais aujourd'hui, c'est super facile, super rapide, on peut le faire en un jour. Voilà les changements qui se sont produits. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur CGTN français.